Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Poney Poney Madame Bending. Et on se retrouve dans la joie et la bonne humeur en ce vendredi 1er avril 2022. Mais je suis bien contente de vous retrouver. Cette petite pause va me faire du bien. Alors, on repart sur je suis fatiguée, tout ça, on va oublier. Hein. Je vous ai mis le DP à l'envers parce que. Oh, bah, décidément, je fais plein de bruit, pardon. Parce que sinon, vous ne verrez pas la case. Alors, si je me mets là, ouais, on est pas mal. Puisque là, du coup, on attaque cette case-ci. Alors, je suis désolée, je suis encore moitié. Oh, oui, moitié. En fait, c'est ça, c'est l'effet de la fatigue. Ça me casse la voix. C'est... J'aime pas ça. C'est casse-pied, c'est le cas de le dire. Ou plutôt casse-voix. Je viens de manger, donc il est midi 6, je sais pas si je vous l'ai dit, et on a un petit temps de DP, alors pas énormément de temps finalement, bah, j'ai pris le temps de faire des photocopies en descendant, et qu'allais-je dire, et puis j'ai pris le temps de manger, et voilà, et puis j'ai passé des commandes sur AliExpress, je peux vous le dire, hein, de toute façon la vidéo ne paraîtra pas avant le 18 avril. Alors, le 18 avril, c'est l'anniversaire de ma très chère Cécile. Et je viens de lui commander ses cadeaux. C'est trop contente. Donc, je vais commander deux toiles gorgeous. Elle va râler qu'elle a trop de toiles, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je sais pas si elle les recevra tant. Alors, je les ai commandées chez un vendeur qu'on affectionne toutes les deux. Hein. Elle aime plutôt bien ce vendeur-là, c'est AZQSD. Donc, on verra bien si elle le reçoit en temps et en heure ou pas. Ce sera la surprise. Sinon, de toute façon, elle aura forcément un petit quelque chose. N'inquiétez pas. Et puis, j'ai acheté plein de choses pour le colo. Puisque j'ai fait donc la première commande pour Cécile, livrée à son adresse. Et la deuxième commande, c'est ma commande perso à moi, donc livrée à mon adresse. Où là, j'ai pris 17 articles. J'étais hyper raisonnable, hein. J'en ai eu pour 47 euros. Alors j'ai pris un nouveau bracelet pour ma montre. Je ne sais pas si je vous l'ai montré cette semaine. J'ai reçu celui-ci. Ah, celui-ci, c'est Chéri qui me l'a offert. Bon, regardez pas le cadran, il est un peu usé, mais voilà. Faut que je rachète des cadrans sur Amazon. Et du coup, bah, j'ai racheté des bracelets, j'en ai reçu trois déjà hier, et là j'en ai recommandé un autre. Ça permet de changer, oh là, de montre, enfin d'avoir cette sensation. Et c'est ça, ça fait changer de montre madame. Mais bien sûr, je change toutes les semaines de montre au prix de la montre, oui bien sûr. Voilà, je suis contente de moi, donc j'ai commandé une nouvelle coque aussi pour mon téléphone, parce qu'autant vous dire, je vous montre un carnage. J'éteins juste le téléphone. Voyez dans quel état elle est. Ah, ça fait des années que je la trimballe. Hein. J'aimais beaucoup. Elle faisait un aspect un peu trompe-l'œil. Mais bah, force, elle s'est usée. Et la nouvelle sera violette. Avec des... Alors, pas vraiment des sculptures, on va dire plutôt des surimpressions Animal Crossing. On change. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis, j'ai pris plein petite chose pour le bricolage, pour le coloriage. J'ai pris des pinceaux à réserve d'eau de différentes tailles, puisqu'à Action je n'ai que trois tailles de poils, de pointe, je sais pas trop comment on dit, je suis pas experte encore en pinceau. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, oh bah là il est en train de me valider toutes mes commandes, si vous entendez le téléphone vibrer tout va bien. Pour le coloriage, j'ai pris, je vous avais dit, ça ressemble à des crayons à papier basiques. Je n'ai même pas un crayon à papier basique en matrice pour vous montrer, c'est un crayon à papier, sauf que à l'intérieur, ce n'est pas une mine carbone, enfin, mine noire. C'est une mine de... C'est une gomme. Donc, ça permet d'avoir une gomme de précision. Donc, j'ai pris ça.
pour tester. J'ai repris des petits machins que je sais pas comment ça s'appelle, donc ça va être très très utile. J'en ai pas là. J'en ai pas là? Non, je ne dois pas en avoir un là. Il doit être à la maison. C'est fait des petits. Comme des crayons. C'est une forme de crayon, sauf que ça ne se taille pas. J'ai testé. Ça ne se taille pas. Et c'est du papier, genre papier enroulé, très 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 serré. Et ça permet d'estomper du coup les dessins. D'estomper, enfin de mélanger les crayons, les traits de crayon, la matière du crayon de couleur ensemble. Donc j'ai pris un lot où il y a 5 tailles différentes. J'ai repris du coup pour mes princesses une petite gomme électrique pour les deux grandes. Et comme je trouve qu'elles sont pas mal, celles que je leur ai pris, j'ai pris la même pour moi parce qu'il y a un petit ventilateur, on va dire les pales d'un ventilateur, qui se mettent au bout de la gomme et qui permet d'évacuer les gommures. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin voilà, les poussières de gomme. Et j'ai trouvé ça marrant. Donc au prix où c'était, je crois que c'était 1,15 € la gomme, plus 1 € quelques de frais de port. Donc voilà, j'en ai pris 3. Et j'ai pris un autre modèle de gomme électrique aussi, plus fine que celle que j'ai. Qui sera donc plus facilement transportable un peu partout. Et qu'est-ce que j'ai pris? Des recharges de gomme. Donc les pinceaux, je vous ai dit. Je me suis repris des petits Lego. J'ai pris. Alors la dernière fois, j'ai pris la girafe et l'hippopotame. Là, j'ai pris le panda. Non, j'avais pris les suricates et l'hippopotame. Donc là, j'ai pris les pandas, le panda, la girafe et l'éléphant. Donc de quoi augmenter ma petite collection. Donc, je prendrai le temps de les faire. Moi, je trouve ça trop trop chou, ces mini personnages. Et je crois que c'est tout. Ah si, j'ai pris un crayon pour les filles. Vous avez probablement connu ça dans votre jeunesse ou même encore maintenant, hein, on ne sait jamais. Ce sont des crayons où elles ont eu ça dans un livre de coloriage que je leur ai acheté rayon presse. Donc vous avez plein de mines de différentes couleurs. Vous prenez la mine du fond, enfin du dessus, vous l'enlevez, vous la remettez au fond, ça pousse la mine suivante. Donc elles ont eu ça, mais elles ont perdu une mine. Enfin, il y en a une à qui il manquait une mine dès l'arrivée du crayon. Donc j'ai commandé un lot de 4 crayons un peu dans le même style, sauf que cette fois il y a beaucoup plus de mines dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Gentiment, je leur ai pris ça aussi. Et je crois qu'on a fait le tour de mes petits achats. Je regarde et je vous dis. Bon, je me ressors quand même avec pas mal d'articles. Hein. Commande. Ah, et puis j'ai pris deux tailles crayons aussi. Alors, je vais aller sur les photos pour vous montrer. Ce sera plus simple, puisque j'ai envoyé des photos. Est-ce que je vais bien avoir? Voilà. Donc, que je vous montre. Donc ça, c'est la future coque de mon téléphone. Ensuite, tac, ça, un de mes deux tailles crayon. J'ai pris une boule pour la machine à laver aussi. Ah si, j'ai fini par prendre les gants d'artiste pour le coloriage. Donc ça, tout ça, je vous ai montré. Et ça, c'est mon deuxième taille crayon. Et je vous montre aussi, du coup, c'est ça les crayons que je vous disais pour les fifis. Donc j'aurai le plaisir de vous faire découvrir tout ça en vidéo quand je vais les recevoir. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je tourne à chaque fois un mini bout de vidéo et puis je fais un montage final, chaque fois que je reçois un article. Ou alors je les ouvre, je les teste. Et puis une fois que j'ai tout reçu, je vous tourne une vidéo avec la totalité et on en parle. Ça peut plutôt pas mal celle-ci, je pense. Ça me laissera le temps de tester
Et comme on sait qu'il y a des articles qui sont hyper longs à arriver, si j'en ai un genre qui arrive dans 10 jours et l'autre dans 2 mois, ça va être compliqué. Donc, bah voilà. Je me suis fait plaisir, j'ai commandé différents tas de crayons, différentes choses, j'ai trouvé ça sympathique. Et voilà. Je me suis fait plaisir. Je calme. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai perdu ça. Je suis allée à Action lundi. Ouais, tout à fait. Pour la promo qui commençait mercredi. C'est pour ça que j'ai pas tout trouvé. Alors, je suis allée à Action mercredi. Et je suis ressortie dégoûtée. Mais. Alors, ils avaient bien les DP en promo, sauf qu'ils avaient l'ancienne gamme. Celle avec le panda, la fleur. Enfin voilà. Celle que j'ai déjà, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oh, ça va me gonfler! Je vais bientôt retourner la tablette parce que ça me saoule. Je mets mon bras dessus, là c'est bon, je me suis un peu décalée, ça devrait le faire. Et donc du coup, je la mets plus fort, sauf que mes petits yeux ne supportent pas trop fort. Enfin, c'est pas qu'ils supportent pas, c'est que je n'ai pas la nécessité de mettre plus fort, donc je vais pas fatiguer mes yeux avec de la lumière inutilement. Donc, j'ai pas trouvé les bons DP. Écoutez, j'ai trouvé les grosses boîtes de crayons pour les filles. Donc, elles sont heureuses. J'ai trouvé leurs pyjamas. J'ai trouvé les petits papillons pour décorer le jardin. J'en avais mis. Non, je les ai pas mis encore les deux. Je savais même pas qu'ils avaient dans la promo de la semaine un bébé qui rit, qui pleure, qui fait chaud. Pourquoi d'ailleurs un petit bébé faire 30 cm, un peu plus, je sais même pas. Non, ouais, 30 cm, je pense. Donc, Maëlwan est heureuse. J'ai pris un petit cadeau aussi pour Maëlène. C'est un jouet. Ça fait une spirale en haut. On met des balles qui ont des billes dedans et puis elles tournent. Mais pour le moment, je ne lui ai pas donné parce qu'il y a énormément de jouets. Hein, elle a de quoi faire. Et bah, je préfère attendre un petit peu puisque son anniversaire est le 12 mai. Donc, voilà. On va attendre, elle aura son anniversaire. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? De toute façon, je vous ai présenté ça en vidéo. Ah si! Bah, j'ai fait le deuxième action dans le doute, hein, quoi qu'ils aient reçu les DP, mais ils les avaient pas reçus. Et j'ai trouvé, par contre, dans le deuxième action qu'on a, celui qui a ouvert récemment, les aquamarqueurs par 50. Donc, du coup, j'étais très très contente. J'en ai pris une boîte pour moi, une boîte pour Lilouane. Elle était complètement folle. Alouena, oui, moi. Écoute, Alouena, oui, tu viens d'avoir 6 ans, mais les aquamarqueurs action, non, c'est pas une bonne idée. On donne toi de feutre basique, et puis je t'ai pris une boîte de crayon couleur, on va pas te plaindre. Hein? Et puis, bon, j'ai repris des blocs basiques, craft et tout ça. Les blocs que j'utilise très très souvent pour mes bricolages. Et puis, j'ai eu Cécile au téléphone en fin de matinée, j'étais en train de donner à manger à Bibi. Et Cécile m'a trouvé les 4 DP, donc elle va me les envoyer et je vais quand même pouvoir vous les présenter. Alors après, ça ne veut pas dire que demain, j'y serai pas à l'ouverture parce que j'ai vu passer une idée à la con sur Facebook et vous vous doutez bien que j'ai décidé de m'engouffrer dans l'idée à la con. Il y en a une qui a posté une demande pour un DP d'une gamme précédente en 40 par 60. C'est le DP en mode patchwork, là, un peu carreau de ciment, qui était dans les tons clairs. Parce qu'elle voulait faire sa crédence de cuisine avec. Donc elle présentait la photo. Alors certains d'entre vous l'ont sans doute vu, hein. Derrière son évier, il y en a qui demandaient s'ils n'avaient pas peur avec l'eau, tout ça, tout ça. Et moi, j'ai eu l'idée. Alors, c'est du copiage pur et dur. Je vais faire ça sur un seul des murs de ma cuisine, celui qui n'est pas carrelé. Il n'est ni proche d'une source de chaleur, ni proche d'eau. Sinon, trop risqué, je ne ferai pas, hein, clairement.
parce que bah, les diamants peuvent fondre avec la chaleur s'ils étaient au-dessus de la plaque de cuisson, puis il faut que ça se nettoie facilement, tout ça, tout ça. Donc moi, je vais faire ça sur, comment ça s'appelle, sur mon autre mur. Le dernier mur que j'ai où il n'y a aucune source de chaleur. La chaleur la plus grande, ça va être le gaufrier, et encore, je ne le mets pas contre le mur quand je l'utilise. Donc voilà, c'est un mur. Alors j'ai calculé qu'il faisait 2,20 m ou 2,30 m de long. Donc, non, si, c'est ça, puisque j'ai calculé qu'il me fallait 4 DP. Et 2 DP pour le retour de mur de chaque côté. Donc, bah, go action. On va aller prendre ça. Je vais prendre les nouveaux patchwork, ceux qui ont des losanges au lieu d'avoir des carrés, parce que je les trouve très sympas. Et chérie a dit, ouais, pourquoi pas, vas-y, lance-toi, ça peut être vachement sympa, machin. Si vous voulez que je vous dise, il dit oui, hein. Je suis obligée d'assumer, moi, derrière. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc j'irai à Action chercher CDP. Alors je m'inquiète pas, je sais que je vais en trouver parce que par chez nous, celui-là, il fait pas fureur. Tous les autres disparaissent à vitesse grand V. Chaque fois que j'y vais, il y a celui-ci, il y en a chaque fois 6, 7, 8, 10. Une fois, il y a eu tout un rayon complet. Vous allez me dire maintenant que je les veux, il n'y en aura plus. Moi aussi. Je me fais pas de soucis. J'en ai déjà d'avance puisque vous savez que je les prends en double pour moi et Fifi, donc j'en ai au moins deux. Donc, idéalement, il faut que j'en trouve deux. Enfin, dans le pire des cas, deux. Dans le meilleur des cas, si je peux en trouver quatre, ce serait parfait. Puis ça fait une crédence qui revient pas trop cher à 4 euros le DP. C'est ça, c'est 3,99 ou 4,99? Je sais plus, ça doit être 4,99. 5. Ouais, on va compter 5 euros. 6 fois 5, ça me fait une crédence à 30 euros. Bon, ça va. Et puis chérie a dit, oui. Chérie a dit, ouais, ça ferait sympa, machin. Écoute, go go go, chérie. Fallait pas dire oui. Donc même si je trouve pas les autres. Tout ce que je trouverai dans cette gamme-là, ce sera déjà 7 prix pour faire cette idée à la noix. J'ai pris. Je vous en parlais de mon idée de rangement un mardi, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Et du coup, j'ai pris. Comment ça s'appelle? Plein de sacs plastiques, de sacs zip. Et je pense que je vais pouvoir commencer. Peut-être cet après-midi, parce que là, bah, je vous ai dit, hein, mes troisièmes sont en stage. Donc ça veut dire que je vais rentrer une heure plus tôt aujourd'hui. Une semaine sur deux, je finis à 15h, une semaine sur deux, je finis à 16h. Petit coup d'inhalateur, parce que ça ne le fait pas là. Et du coup, là, je vais finir, enfin, c'était la semaine où je finissais à 15h, et donc, comme ils sont pas là, je finis à 14h05. Donc, il me reste que l'heure de cours, juste après ce petit moment de partage d'épée avec vous, donc je suis super contente. Je vais rentrer, alors, je m'étais dit au départ que je ferais mon passage, sauf que hier, on a appris que la maîtresse de Tachou ne serait pas là aujourd'hui, donc elle est restée sagement avec son papa. Et comme elle sera à la sieste, puisque c'est mise 3 ans, ben je ne vais pas pouvoir les repasser à l'étage. Hein. Tant qu'à faire, elle va faire dodo. Et moi, je vais me mettre à jour sur mon stock de DP. Enfin, me mettre à jour. Débuter ce long travail de fourmi qui consiste en ranger mon bordel. Le pire, c'est que c'est rangé. Hein. C'est juste que, en termes d'organisation, ça marchait tant que j'en avais pas autant que ce que j'ai aujourd'hui. Et comme de toute façon, ben, je cours toujours à Action dès qu'ils en font. Et que je vous ai dit que ça commençait à me manquer de faire une petite commande chain. Donc je pense que. Alors là, je viens de commander plein plein de choses sur Ali. Je vais peut-être attendre un petit peu pour commander sur chain. Sinon, chérie, il va dire. Quoi, il dit rien. Non, quand je vous dis qu'il va râler, c'est qu'il râle même pas en plus. C'est moi qui ai des remords. Mais en même temps, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il me disait. Il dit, de toute façon,
je suis mal placée pour te juger, pour te critiquer, etc. Puisque lui, en termes de jeux de société, de livres, ben, il n'est pas mieux. Bon, moi aussi, je suis une très grande lectrice. Voilà. J'ai pas choisi d'être prof de français comme ça par hasard. Hein. Évidemment que derrière, il y a une passion pour les pages, les mots, les livres. J'adore. Donc voilà. Donc chérie ne me dira jamais rien là-dessus. Puis bon, je travaille énormément. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je trouve que le travail nuit gravement à mes loisirs. Alors j'ai avancé un petit peu mes petites corrections dont je vous parlais. J'ai fini toute la première partie avec les questions de grammaire. Je vous parle du brevet blanc des troisièmes qui me gonfle à corriger parce que c'est très lourd comme correction. J'ai fait toutes les dictées et j'ai commencé toutes les questions de compréhension de texte et ensuite il me restera les rédactions. Quelle heure? 12h26, c'est bon, tout va bien. Donc j'envisage en fait d'emmener, je vais ramener mes copies à la maison. Et je vais en profiter demain, je vais en corriger un petit peu demain après-midi. Puisque, donc on a fait un test à l'Ivoine, elle était négative ce matin. Donc comme elle est négative, pour le moment on maintient. Et donc chérie reçoit des amis avec lesquels il va jouer avec à des jeux de société demain après-midi. Moi je vais être un peu tranquille dans mon bureau. Et par contre je ne filme pas quand on a du monde à la même... à la mémé. Tout va bien? À la maison, même s'ils sont au-dessus du garage, dans le sens où je suis pas à l'abri que quelqu'un débarque et puis je suis désolée et vidéo c'est privé. Il est hors de question que je filme et que je risque d'être interrompue ou quoi que ce soit sur une vidéo ou enfin voilà. C'est mon jardin secret. Chérie le sait, quand je filme, déjà il ne vient pas dans le bureau. De temps en temps, vous avez un passage de Lilouane. Mais bon, c'est le fait d'avoir des enfants, c'est un handicap hein, pour la tranquillité, je vous jure. Mais bon, je les aime quand même, hein, mes petits bouts. Donc de temps en temps, je suis interrompue avec Lilouane qui vient me parler, et puis papa là. Hein. Et qu'allais-je dire? Donc du coup, demain après-midi, je vais en profiter, je vais avancer mes corrections, histoire de finir, me débarrasser de ça. Parce que du coup ce soir ça va être franchement, je pense pas que je sois en état de corriger. Ça sent le début de rhume à plein nez, là ça me plaît pas du tout mon état. Bon, après en même temps on est passé de 20 degrés à 3-4 degrés. Ouais non, je suis lentille. 1 degré, il arrête pas de neiger depuis tout à l'heure. Ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Alors moi j'adore la neige. Donc, clairement, je suis d'excellente humeur, j'adore voir tomber la neige, ça a un petit côté hypnotisant, je pourrais regarder la neige tomber pendant des heures. Ça me poserait aucun problème. Hop, petite poussière. Mais, comment voulez-vous, avec ces changements de température, qu'on ne tombe pas malade? Tic. Un petit A ici. Et ma carte, je vais pas m'embêter à mettre plein de diamants. J'ai pareil avec un petit U. Oh, mais mercredi, par contre, je suis contente de moi. J'ai fait plein de choses. J'ai terminé de prédécouper. Est-ce que j'ai du Y? Non, j'ai pas l'air d'en avoir. Et puis, au pire, hein, on se retrouvera après. Donc j'ai terminé de découper tous mes intercalaires. C'est quoi? Bougez pas. Bon. Petite interruption élève. Voilà, cette fois j'ai pris le temps de mettre pause la dernière fois. J'ai monté la vidéo hier. Non, hier, mercredi. Oh, j'ai galéré pour retrouver le passage. Sur une vidéo du pan, du coup, le deuxième pan partiel de chez Wish. Chez un personnel du collège. Qui était rentré dans la salle et qui était rentré, j'avais ma salle fermée à clé, hein, et qui voulait voir deux, trois trucs dans la salle, machin. Et
sous le coup de la surprise, j'ai même pas eu le temps de mettre pause et d'enlever le téléphone. J'ai mis ça directement sous le bureau, par terre, le trépied en douce. Donc, au montage, j'ai évidemment coupé cette partie-là, mais il faut que je la retrouve, chercher. Oh, j'ai fait 3 fois le tour de la vidéo pour la retrouver. Aïe, aïe, aïe. Donc là, au moins, j'ai juste mis pause et puis je ferai un montage entre les 2 parties de la vidéo, c'est pas gênant. Donc, petit élève de 6e qui m'a piqué un livre. Enfin, qui m'a piqué, il est venu me le ramener. Donc tout va bien. Mais je m'attendais pas à ce que quelqu'un frappe à la porte. Mince, un collègue, une collègue. Zout. Voilà, c'est mon moment de tranquillité. Hein. Lâchez-moi à cette heure-ci, je suis en pause. Et encore, il a eu de la chance que ce soit tombé sur la bonne semaine, parce que sinon j'aurais pas été dans la salle. J'aurais été à la maison, en train de jouer à Animal Crossing. Oh, du coup, j'ai pris le compte d'Alwena. Elle désespérait, elle n'avait pas toutes ses maisons, tout ça, tout ça. Donc j'ai pris son compte, j'ai fini toutes les petites choses qu'elle avait à finir pour faire ses maisons. Enfin, je lui ai créé, construit, hop, tous ces petits meubles dont elle avait besoin. Et là, je verrai, je vais me reconnecter ce soir, donc j'ai fait ça hier. Je lui ai rangé un peu son nid, je lui ai ramassé plein de choses, de bois, de pierres, de... Je l'avance un petit peu là cette semaine. J'aurai le temps aussi, je le ferai un peu la semaine prochaine et puis après ça va être les vacances, donc elle aura le temps de jouer. Mais bah, elle a que 6 ans, elle ne sait pas lire puisque bah, le CPC l'année prochaine. Et c'est vrai que du coup, bah, elle avance un peu plus difficilement que sa sœur. Donc je me suis dit allez, donc j'ai fait ça toute contente, je lui ai dit hier, oh là là, elle était ravie. Donc aujourd'hui elle aura un nouvel habitant et puis petit à petit bah, son île va s'agrandir hein. Je vais lui faire en sorte qu'elle gagne plein de sous. Ça faut que j'arrose ses plantes ce soir. Ce soir, je suis pas couchée. C'est ma soirée téléphone avec mes parents. Donc, du coup, je vais en profiter. Alors, je vais commencer un nouveau DP parce que je suis folle. Vous connaissez. Donc, un nouveau DP action ou plus, en tant que ça. Parce que j'ai pas mal. Ah non. Non, j'ai un peu discuté avec Stéphie Ctout d'un... ça doit être passion, diamant painting, écolo, enfin un truc dans le genre. Je saurais pas vous dire le nom là tout de suite, maintenant m'échappe, désolée Stéphie. Je remettrai sans doute si j'y pense, hein, parce que ma mémoire me fait défaut souvent. Je me dis je vais faire plein de choses et puis à la fin j'oublie tout, il faut que je note. Donc, si j'y pense du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me demandant le lien et je vous le remettrai. Ça fait un moment que je suis sur leur groupe. Hein. Mais, comme beaucoup... Et on a fini la case. Je tourne le DP. Sortez pas. Voilà. Et on va attaquer celle-ci. Donc, comme sur beaucoup de groupes, en fait, j'y suis. Je réponds parfois aux commentaires. Mais je poste très peu les plus grands posts, enfin l'endroit où je vais poster le plus finalement c'est sur Instagram avec une copie sur ma page perso sur Facebook. Enfin, ma page perso qui est dédiée uniquement à mes loisirs créatifs. Enfin, je publie très peu de choses. Enfin, je publie tout ce que je publie sur Insta, donc tout ce qui est en rapport avec mes loisirs créatifs. De temps en temps des petites blagues, mais très très rarement. C'est rare qu'une blague... Je vais tourner ma tablette. Ça ne fait pas du tout, j'arrête pas d'appuyer et j'aime pas ça. Voilà, je vous ai dit que je le ferai de toute façon, c'est fait. Donc, c'est très rare que je publie des conneries quand même sur ma page. Et bah, si vous avez la curiosité de me demander en ami, parce que la page n'est pas publique, je crois pas. De toute façon, elle n'est pas...
verrez aucune photo, ni de moi, ni de ma famille, rien en rapport. Je ne publie rien sur les réseaux concernant ma petite famille d'amour. C'est mon devoir de parent de protéger mes enfants. C'est aussi une protection par rapport à mes élèves, parce que même si la page n'est pas du tout à mon nom officiel, puisqu'il est au nom de Minnie Diamond Bunting, hein, enfin elle est au nom, donc je crains rien hein, par rapport aux élèves, mais on sait jamais, quelquefois qu'ils me retrouvent, je préfère garder ma vie privée pour moi, et mes enfants ont un droit à l'image, mon mari aussi, moi aussi d'ailleurs. Et on sait très bien que toute photo mise sur internet ne disparaîtra jamais. Et en conclusion, je ne voudrais pas qu'un jour elle regrette une photo que j'ai mise d'elle enfant, parce que des enfants ça grandit. Et que, enfin voilà, c'est. Puis c'est privé, c'est ma vie. C'est mes petits amours, je vous en parle, je vous raconte leurs petites facéties, leurs petites bêtises d'enfants. C'est pas pour autant que je vais aller les mettre en scène. Elles ont le droit à leur vie privée. Voilà. Et je vous raconte pas tout, heureusement. Voilà. Donc, je sais même pas pourquoi je suis partie sur Facebook. Et sur les posts Instagram et tout ça. Je me rappelle plus. Donc du coup, oui, si je... j'ai discuté un petit peu avec Stéphie, elle a eu la gentillesse sans que je ne demande rien de mettre ma chaîne en avant sur leur groupe, et je trouve c'est hyper sympathique. Et j'ai découvert du coup en me promenant sur le groupe un peu plus que elle mis en place un petit défi sur les DP d'action, un défi allant du 20 mars au 10 avril. Alors le 10 avril, on est d'accord, c'est dimanche en 8. Mais un petit DP en 30 par 40, il y a moyen hein, si je bosse dessus, qu'il soit fini à temps ou pas. On verra. Donc objectif, faire un petit DP d'action. Donc je pense que ce soir, on va avoir de la préparation de diamants. Et on va débuter ce DP, et dès que j'aurai terminé mes copies demain, non, je suis pas sûre d'être capable de corriger tout demain, puisqu'il y a bien sûr les questions de compréhension de texte. Bon, ça, on va dire, j'en ai pour une heure à tout corriger, mais les rédactions, j'en ai bien pour 3 voire 4 heures, 3 heures au moins, minimum 2 heures, ouais, ça se trouve plus. Je vais y arriver. Une fois plongé dedans. Mais le problème, c'est ça, c'est que j'ai plein de choses à faire et que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour corriger. Parce que je ne peux pas corriger quand il y a tout le monde autour de moi. Hein. Moi, il me faut un minimum quand même de... Alors, je ne vais pas dire de calme, elles sont calmes. Mais j'ai besoin de pouvoir me concentrer sur quelque chose et pas être distraite à tout instant parce que... Maman, je peux avoir ci. Maman, j'arrive pas à prendre ça. Maman, il me faut ça. Maman, elle m'embêtait. Gna gna. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment besoin de savoir que je peux me plonger dedans et que je ne serai pas interrompue. Et parce que sinon, je sais que je vais mettre 3 plombes à corriger parce que je vais pas arrêter de m'interrompre. Alors que si je suis dedans, ça va. Très 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 vite. Une fois que mon cerveau est bloqué sur une chose, ça va extrêmement vite. Mais voilà, il faut que je puisse justement avoir ce moment de blocage complet. Je suis en train de me dire, j'ai commencé une case, mais je la finirai pas aujourd'hui. J'ai pris mon temps tout à l'heure. Bon, j'avais besoin... Enfin non, je suis descendue chercher mon repas, j'ai... Comment ça s'appelle? J'ai fait mon petit tour, fait des photocopies pour mes sixièmes. Bah, ça fait partie. Alors, c'est une des choses que je m'étais mis en tête pour aujourd'hui, faire ça. Demain, ça va être la correction des copies, avec peut-être un petit tour dimanche dessus, dimanche matin, avant qu'elle se lève.
Mais je vais avoir aussi ma case du nouveau du défi monochrome, n'importe quoi, tout en douceur. À faire, je pense. Le vendredi, on n'a pas encore eu la case. Enfin, en même temps, Sonia doit travailler. Donc forcément, elle ne peut pas nous donner la case si elle est au boulot. Voilà, enfin. Et il y a des chances que j'organise le prochain défi. Je regarderai si... Parce que celui-ci, je savais qu'au niveau timing, entre les conseils de classe, tout ça, j'allais pas gérer. Ah, je savais. Hein. Faut être réaliste un minimum. Quand tu sais que c'est le moment où t'as le plus de boulot, voilà, t'évites. Hein. T'évites de te rajouter encore une masse de travail entre conseils de classe, vacances qui arrivent. Donc, je vais avoir aussi pas mal de corrections à faire pendant les vacances, puisque je vais avoir trois classes qui vont me rendre leur journal de bord. Ça va représenter beaucoup de travail. Je tends le bâton pour me faire battre aussi. Quelle idée j'ai eue de leur donner ça? Ah, je vous jure. Pas grave. C'est aussi très constructif, ce type de travail. Et donc, on va faire ça. Puis je savais, enfin voilà, au niveau timing, ça allait pas se prêter avec en plus toutes mes grosses copies à corriger, enfin voilà. Là, si je pouvais, ce serait génial si j'arrivais à les finir ce week-end. Mais je pense que je présume un peu trop. Mais, sur un malentendu, au pire, les finir lundi. J'ai une heure de trop lundi après-midi. Si je les finis à ce moment-là, je serai beaucoup plus libre de faire ce que... Alors, j'ai des copies à moi, corrigées aussi. Mais les miennes iront vite. Et une fois débarrassée de ce lourd fardeau de copies qui ne sont pas à moi, je suis beaucoup plus libre parce que les copies à moi, je les corrige comme je veux, quand je veux. Et ce que je vous disais, c'est tellement plus facile de corriger des copies qu'on a préparées soi-même parce qu'on sait quelles sont les attentes. Et... on sait en gros à l'avance quelles sont les réponses qu'on ne peut pas accepter. On n'a pas. Enfin, je réfléchis pas. Quand c'est le brevet, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des enjeux derrière, parce que c'est pas moi qui ai préparé les examens, enfin. Parce que plein de choses. Oui, il y en a qui sont en train de se faire disputer en bas, c'est le bazar. Après, je m'en fiche. Je suis pas concernée par toutes ces disputes. Moi, je fais mon DP. Tranquille, au calme, dans ma salle toute seule. Il nous reste 10 minutes, en gros. En 10 minutes, vous croyez que c'est faisable? Je crois pas, moi. Après, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Mais cette case est un peu plus confettie. Mais vraiment, bah ça, c'est AZQSD. C'est une pause que j'apprécie. Je la fais sans stress. Ah si, en parlant des ZQSD sans stress. J'ai fait ma case de mon DP du mariage aussi mercredi. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle a été longue à faire. Alors, ah, elle était un peu plus grande que les autres. J'avais un mélange de fond noir. Passionnant à faire le noir. Hein. Je suis en train de passer mes diamants totalement de travers. Et de confetti. Donc bah voilà, j'ai eu tout ça à travailler. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, et en même temps, j'étais en train du coup de monter les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure où j'ai galéré. Mais, et puis alors j'ai monté la première vidéo de ce DP là. Et je me dis, mais ceci, première fois que je la monte, 59 secondes, même pas une minute. Bon, ok, il y a un problème. Bon, j'ai fini par retrouver mon deuxième fichier, mais comme j'en avais supprimé, hein, enfin voilà, j'ai galéré, je vous jure. Mais la vidéo est montée. J'en ai mis plein en attente aussi sur YouTube qui vont vous arriver très très vite. Mais il faut que je fasse le point quand même sur... qu'ai-je à publier quand?
Ça, c'est... J'ai dit que c'était 8. Oui. Si je mets ça là, je crois que vous allez moins voir. Donc, voilà, voilà. Plein de... J'ai fait plein de choses, hein, mine de rien, mercredi, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas du tout eu le temps d'attaquer mon nouveau rangement d'épée. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour. Et puis si j'ai pas assez, ben, j'y retournerai. De toute façon, Action est mon ami, j'y passe ma vie, j'adore. Donc voilà. Et puis j'ai oublié de passer au rayon d'un jardin. Donc faudrait que j'aille voir. Décidé cette année que j'allais mettre en place des petits nains de jardin dans mon jardin. J'avais fait un petit truc sympa. Trop doux. Mon jardin aussi. Hein. C'est pas que l'antre des filles. Bon, après, j'y passe énormément de temps dans mon jardin. J'adore m'asseoir à table, dehors, et faire toutes sortes d'activités, des pays écolo, etc. Enfin, moi, je suis. J'aime être dehors. J'aime profiter de l'extérieur, on en a énormément profité la semaine dernière. C'est pour ça que du coup, clairement, la neige aujourd'hui, c'est... Je sais que c'était prévu, donc ça va vous paraître débile ce que je vais dire. C'était prévu, mais pour moi, c'est inattendu. Parce que... J'y croyais pas. Puis, ça neige pas assez. Alors, si, il fait assez froid, mais ça ne tombe pas assez pour que ça tienne. Donc... J'ai le plaisir de voir les flocons virevolter dehors, sans et les inconvénients de me dire après, faut que je rentre en voiture, faut que j'aille chercher les enfants à l'école en voiture. Donc finalement, je vais avoir seulement les avantages. Et ben, c'est méga cool. Et j'adore. Franchement, j'adore voir les flocons. Et en plus, comme je suis au deuxième étage du bâtiment, bah. J'ai une vue dégagée, c'est vraiment, je profite et je regarde. Et en fait, quand je suis assise à mon bureau, je lève les yeux et je vois les flocons, je vois tout. Donc c'est vraiment chouette. C'est l'instant concentration. Ouais, non, ça sent pas bon le futur rhume. Bon, on va faire tout ce qu'il faut pour que pas qu'il se développe. Hop. Ah, puis il faut du coup je retourne chercher un autotest à la pharmacie. Yvonne qui me dit ça bah, hier. Oui, je suis qu'à contact. Faut qu'on aille à la pharmacie tout de suite. Ouais, alors. Ok, tu es qu'à contact. Je ne le nie pas, chérie. Mais pour le coup, la pharmacie, immédiatement, même pas un rêve. Oui, mais si, il faut qu'on aille chercher un autotest. Non, mais j'écoute, chérie, on en a largement assez à la maison pour faire un autotest et puis aller chercher plus tard. Hein. Donc, j'irai lui chercher son autotest probablement demain en allant à la pharmacie. Voilà, j'en ai eu par le boulot jusqu'à présent. Je n'ai jamais été qu'à contact, donc je profite. J'ai eu des élèves positifs, même récemment, dans la semaine. Ah madame, on est tous cas contact. Eh non, je ne suis pas considérée comme cas contact parce que je ne me suis pas retrouvée en votre présence sans masque. Comme je vous l'avais dit, moi j'ai choisi de garder le masque. Et c'est aussi simple. Parce que du coup, bah, tous les collègues cas contact doivent se tester, évidemment. Et ensuite, bah, porte du masque obligatoire pendant 7 jours. Donc c'est ça qui m'embête le plus pour Liloane, c'est que du coup toute la semaine prochaine, bah, ce sera masque obligatoire à l'école. Alors, enfin, non, c'est pas obligatoire, c'est juste fortement recommandé. Mais d'un point de vue technique, moi j'ai dit, tu verras avec ta maîtresse, mais moi, tu portes le masque. Donc elle est partie, bon. Elle en avait besoin d'un pour le bus parce qu'ils allaient au cinéma. Donc bah, masque. Et puis du coup. Bah, on a repris bonnes habitudes, tu repars avec deux masques et puis... Puis ça va être à nouveau la même chose tous les soirs. T'as pensé à mettre tes masques à laver, t'as pensé à préparer tes masques pour demain. Voilà.
zout. Ouais, je vais vraiment pas avoir le temps de la finir, la case. Bon, écoute, on va combler un peu quelques gros trous et puis, enfin, quelques petits trous, je laisserai les gros pour. Pendant 15 jours, à moins que je refasse un petit peu la semaine prochaine sur mon heure de trou, si. Ah, si j'ai connu toutes mes copines lundi pendant mon heure de trou, on peut se retrouver, hein. Au moins pour finir la case. On verra. On n'en est pas là. Elles sont pas corrigées, rien du tout. Mais en remettant la protection dessus, hein, ça craint rien. On retrouvera notre DP en l'état dans 15 jours et voilà. De toute façon, il bougera pas d'où il est. Il reste enfermé à clé dans l'armoire. Je suis douée, hein. Je secoue la barquette et j'arrive à faire sortir les diamants par l'autre côté. Non, non, là vraiment, je vais faire quelques petits trous, mais je vais pas. Je vais me garder le coup pour la prochaine fois, sans avoir traîné. Mais bon. Bon, après, clairement, j'ai pas 10 minutes de plus, je peux pas les trouver ces minutes. Ça reste toujours un plaisir à faire. Et on verra ce que je choisirai pour la suite parce que bah, mine de rien, il va vite. Enfin vite. Il sera bientôt terminé et il faudra qu'on en trouve un autre à faire. On va trouver son mal. Non mais j'ai oublié, j'en ai encore là. Oh, j'ai réussi à laisser pile poil le nombre sorti. Là, franchement, admirez la maîtrise. Hein. Non, je ne vais pas te retourner, c'est bien. Ça, il en faut deux. J'ai une tendance à toujours tout mettre à droite, sachant que ça va me gêner. Donc genre super fort, super doué, super intelligent, je voudrais. Guinevere. Ah oui, non mais je m'envoie les compliments moi-même, hein. J'ai besoin de personne pour être sarcastique. Hein. Ça, c'est pas un problème, je gère l'autodérision à fond. Et on a un thé qui reste. Là, je comble mes mini trous et puis je vais laisser les grandes zones comme ça je pourrais coller mon papier sans problème dessus. Bon, je m'arrête là parce que sinon après je vais être trop courte en temps. Je remets ça dessus et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Dans une semaine, dans 3 semaines exactement. Puisque là, la semaine prochaine, à moins que il se passe quelque chose, que j'ai le temps de tout corriger ce week-end. Sinon, je n'aurai pas le temps de filmer. Si j'ai le temps de corriger, je vous reprendrai au moins pour finir cette petite case. Donc, je l'inclurai dans cette vidéo. À moins que je déborde comme d'habitude, comme vous me connaissez, on verra bien. En attendant, on se retrouve très bientôt. Et pour vous, dans tous les cas, ce sera dans une semaine. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Ah, ça y est, il renaît, je suis trop contente. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir. Allez, gros bisous, bye bye.